Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme de cœur. Ça faisait longtemps que je l'avais plus dite. Ça me fait plaisir de refaire cette vidéo. Ça élève mes vibrations. Et j'espère que ça fera pareil chez vous. Du coup, je vais vous tirer quelques cartes. Ou peut-être une, on verra. Prenez ce qui résonne dans votre cœur. Ce qui résonne pas dans votre cœur, ne le prenez pas. Voilà. Moi, je vais vous tirer une carte, la féminité sacrée. Voilà, j'ai tiré une très belle carte. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. L'univers nous envoie toujours des réponses. À nous de les écouter ou pas, ou de ne pas sentir que c'est juste, ou de sentir que c'est juste, mais que vous avez toujours les réponses en vous. Et faites-vous confiance. Les nouveautés, ça me parle de nouveautés, de printemps, ben, c'est bientôt le printemps en fait. Ça me parle aussi que dans la nature, allez rencontrer les fées ou bien votre petite fée intérieure. Votre soleil intérieur. Votre intuition. Votre soleil intérieur et votre enracinement fait que vous pouvez croiser ces petites fées. Surtout, ouvrez-vous. Parce que oui, bah, les fées, on dit que c'est des contes, que ça n'existe pas, enfin blabla, voilà. Mais quand vous fermez les yeux et que vous pensez à une fée, est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez, cette fée, si vous fermez les yeux? Moi, si je ferme les yeux et que je pense à une fée, je la vois. Donc, où est-ce qu'elle est, cette fée? Est-ce qu'elle est juste dans notre tête? Ou est-ce que juste le fait de la voir, elle existe quand même dans notre cœur? Est-ce que si vous la voyez comme ça, puis que tout à coup vous dites, bah, ah bah tiens, je vais la dessiner ou je vais la peindre, ben du coup elle sera, elle existera. Oui, parce que je me dis, quand on rêve, enfin un voyage astral ou pas forcément, ou enfin voilà, et qu'on voit toutes ces choses pendant nos rêves, ou imaginons qu'on rêve d'une fée, puis qu'il se passe une petite histoire, où vous pouvez facilement raconter vos rêves. Des fois, ça vous paraît tellement réel. Souvent, on dit, j'ai l'impression d'avoir vécu ce rêve. Mais est-ce que c'est où cet univers des rêves? Il se trouve où? Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose qui existe, qui est réel quand on fait un rêve? Voilà, moi je pense que quand on rêve, il y a quand même un monde, ce monde des rêves. Peut-être c'est ce voile des illusions que nous n'arrivons pas forcément, ou peut-être des personnes arrivent à atteindre quand ils sont éveillés pendant la méditation. Quand vous fermez les yeux, que vous écoutez une musique douce, qu'est-ce que vous voyez? Et ce que vous voyez, il se trouve où exactement? Est-ce que c'est pas quand même un monde qui existe avec les fées?
C'est un fait. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura fait du bien et que vous imaginez des fées tant que vous voulez et vivre ces expériences et vous dire que ce monde, peut-être qu'il existe quelque part. C'est peut-être ce voile des illusions. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye!